Configuration initiale en cours. Ah oui, parce que je ne l'ai pas encore lancé. Quel streamer médiocre qui ne fait pas déjà des premiers lancements de ses jeux pour que ça se passe sans encombre le moment venu. J'aime bien l'image sup. Comment ça, Origin? Quoi? Pourquoi il y a Origin qui s'allume? Il faut un compte Origin pour jouer à ce jeu? Oh non, il faut pas passer par Origin, pitié. Oh non, attendez. Ah non, c'est bon. Ça galère, mais c'est bon. Putain, oh, le stress. Quand j'ai vu la fenêtre Origin s'allumer. Ça, c'est un cauchemar. Hein. C'est un cauchemar. Ah bah oui, Originals, d'accord, c'est EA. Je ne savais pas que c'était un jeu EA. Je découvre. Et il n'y a pas de son, c'est très anxiogène. C'est normal qu'il n'y a pas de son. Ah, voilà, narrateur. Tout le monde possède son propre narrateur, mais la plupart des gens l'ignorent. Mais qu'est-ce que... Hein? Ouah, il se passe quoi? Ça bouge... Mais tout se fait tout seul, là, oh! Ça commence bien! Le jeu me fait peur. Attendez, le jeu se télécharge. Non, attendez, j'achète le jeu. Un jour, on fera ça. Un jour, quand j'aurai Max Pognasse, on se fera un stream, je fais mes courses Steam et vous me dites quoi acheter. Et après, on y joue, genre un délire comme ça. Ça pourrait faire un bon concept. Hein. Mais pour l'instant, j'ai pas trop d'amis. Au final, on ne jouera pas à Lost in Random, mais à Enter the Gungeon. Non, non, non. Tu dis à haute ton code de CB. Ah, je passe par PayPal, c'est dommage. Franchement, soirée comme ça, je sponsorise avec coach. Oui, mais même en sponsorisant, ça me fait pas assez de sous. Oui, bah voilà, il faut accepter, c'est ça. Moi, je vais lire jusqu'en bas quand même. Oh, c'était. Ah, un jour, on fera ça aussi. Stream lecture de conditions d'utilisation. Continuez, vous devez accepter le contrat du. Oui, bah, j'ai accepté. On fait quoi pour. Eh ben j'ai accès. Ah voilà. Ok. Ambiance Burton. Tiens, il y a beaucoup de réglages. Hein. Vous me direz en jeu si la musique est bien. Quand la musique est bien. Bien, bien, bien. Texte et langue. Ah, il est doublé en français? Clou de bouger, échelle de rendu, d'accord. Luminosité, on va laisser comme ça a l'air bien. Règles, récupérer des cristaux. Oh, j'imagine qu'on va me le dire pendant le jeu, ça, parce que. Ah, putain, d'accord, c'est vraiment. Ouh, je sens que ça va être rigolo. On peut déjà voir la fin du jeu. Comme dans tous les jeux, maintenant, c'est très bizarre, ça. J'ai du mal de comprendre ce délire. Tout donner que les pigments, on comprend que tu sois fatigué. Les bots comme ça qui avaient mis des conditions pour gagner des chèques IRL, ils se sont dit que comme personne ne lisait les CGU, personne ne leur réclamerait. Oh la vache. Ça me donnait envie de dire. Et donc bonjour YouTube, excusez-moi, pardon. Et bienvenue dans Lost in Random, un jeu IE, hein, et c'est la build 1.1.1. Donc nouvelle partie. C'est un roguelite, imagine. Je sais pas. Bonjour. Long ago, ah, c'est pas in a land you might remember from your dreams, the power of randomness was celebrated by all. Those with dice. Laissez Vincent Price nous narrer. Non, c'est pas Vincent Price. Epic tournaments in which their very lives. Pas mal le déçu au moment où il s'est levé. Wouh! Putain, c'est un arrancard. Ah non, c'est un wizard, pardon. Obtenez la d'énergie.
Bah on y va. Ah! Il y en a où? Ah, il y en a là aussi. Ah, le perso est lent. Oh là, ça se bloque exactement comme Kena, au secours. Ah! On change d'arme en faisant ça? Quitter la dimension. Wow. Ah, le lock il marche bien là. Merde. Par contre les... Ok. Par contre c'est lent, c'est chiant. On peut pas sauter, d'accord. D'accord. Attention! Sur Monopoly, putain, le lock déchire. Vous avez entendu assez. Pendant une conversation, appuyez sur A pour passer à la ligne. Ah, d'accord, ah, d'accord, ok. Astuce suivante, tout ça, ok. Our story begins later, in Wancroft, a small village populated entirely by people who have never once been dealt a fair hand. Ah, pardon, j'avais disparu. Attention, Wanners! I am the queen. And my dark dice will decide your fate. Random rules! See that, Bernard? You're a sixer. Oh, wow! I'm gonna live in the Queen's Dream Palace for the rest of my... Nuh-uh, you're a dirty three, doomed to a life of fighting and misery. That's cheating. Well, so is having an almighty dice, snake eye. Stop you guys. Wrap this up. We should really get going. It's just a game, sis. Even I promised Mom and Dad to get you home. The Queen! It's the Queen! Hey, was that really necessary? Come on, hurry up! Now we really have to run! Ok. Odd, wait. Stay behind me, sis. We've got to run home and hide now. Ok. Suivez un père. Oula. Quand Tim Burton revisite la cité des enfants perdus. Bon, c'est un gameplay lent, hein. Et un peu lourd. Ah, super! Une arme de visée, j'adore ça. Bah oui, je sais. Je peux rien faire d'autre? Non. Petit fou et tout. Voilà. Bonjour monsieur dame. Random rules. Random rules. C'est la reine. Nanny Fortuna. Works for the queen. Kidnapping children for her. Kidnapping?
And so the queen decreed that any child who had reached the age of 12 would c'est Croque-Mitaine. The grand honor of rolling her one true dice, which would reveal to them their place in the world of random. Check out this secret portal. Bring me all of the children. It's an old crow's face. It works for us. Nice work, Bernie. Let's go. All the queen's wisdom is as wide as her power, which is infinite. Which makes it very easy for all of you to do what she said. Since she is and ever shall be correct. And though you may feel a twinge of emotion when you watch your children move to their new places, ensure that you are feeling the correct. Je vais l'avoir. Non, j'imagine que si on fait ça, c'est mort. Joy, that the queen's plan for us is so grand. Joy, that her one true dice has deigned to fix the fate of your offspring. And joy, yes, joy, that today her representative, me, the Nene Fortuna, has come. Even Odd, where have you been? We've been worried sick. I'm sorry, Dad. I tried to. There's no time. She'll be here any minute. Quick, get down. Happy birthday. Oh, even. And I got a present for you. It's so cute. Oh, Among Us. Make a wish. C'est un raw Among Us Pokémon. Ah, dommage. Ça a été un peu rapide. C'est un peu choquant. And the queen said every child of 12 years shall throw this supreme dice, and so it was. Si Wario. Si Wario, on est dans une partie de Mario Party, c'est ça en fait. Child, that the queen herself is here for your special day. Oh putain. C'est Sauron. Lance le dé qui n'est pas truqué. Now roll the dice and let's see what kind of person you truly are. Oh, c'est truqué. It had been settled. At least she'll be a sixer. Even! Oh no! Stop it! No, even. And so Odd's destiny came to be living by the side of the queen up in the Sixer's palace. Well, it was said all dreams came true, but Even's nightmare was just beginning. Mm-hmm. Joyeux anniversaire. Okay. Odd, where are you? Je suis numérisé dans un espace onirique. I'm coming for you, sis. Putain, ce fantôme. Who you gonna call? I'm gonna find you, okay? Tell me where you are, Odd. Help me find you. Odd, I'm here, sis. I'm coming, Odd. Odd. Yeah.
Non, mais ça me fait penser au... à World of Goo. More than a year had passed since her sister had been taken away from her, and in all that time, Even had never dreamed like that before. Even knew she was now awake, and knew this was the same house she'd lived in her entire life. But something seemed off. Something seemed different. Or was it simply that she had changed? A portrait of Uncle Jinx. It was said he'd sailed the seven seas and then drowned in the eighth. A painting of Aunt Cordelia. She could play every single musical instrument in Wancroft, which was impressive, but none of them well, which was markedly less impressive. An image of great-great-great-grandmother Waters. She was the woman who'd invented sliced bread, which made everyone very excited. Well, before then, they'd just taken great big bites out of loaves. An image of great-great-grandfather Peters. 200 years ago, he ate all his clothing to win a bet. Even supposed that was the reason this portrait stopped at the neckline. Okay. Even's mother had always painted, and she'd share with Even the stories she'd hidden in her paintings. Wonderful tales of daring heroines and dashing adventure. She told her never to share these stories with the outside world. These stories might upset the queen, and she had eyes and ears everywhere. Even's father never told her stories. He preferred reality to fantasy, the physicality of hammers and nails to the ephemeral mists of dreams and fantasy. Oh, it was still very late, or was it very early? And Even didn't want to wake her parents. Mais ils ont pas de couverture. Ils vont avoir froid. Odd shoes. Little parts of her life still dotted their house. It didn't make it a happy house, but that was fine by Even. She never wanted to forget her sister. These paintings showed stories Even's mother told her were safe to share, because they were true. Well, so she said. Like the story of the card makers of Five Town, who'd suffered a horrible fate. The scariest painting Even's mother had ever made was of the Shadow Man, a mysterious figure who'd gobble up children who ventured too far from home. Even was too old to believe in such stories, or at least that's what she told herself. Although she'd been gone a year, so much in this house still reminded Even of her sister. Ah, c'est tiroir à chaussettes. Others had told her the pain would fade, that her absence, which she felt every day, would one day simply disappear. Others had been... Ah, désolé, je t'ai coupé la chic. Ah. Ça va le son? Pas trop faible? Even stared at the toy, feeling the ground tilt beneath her. That was the exact same stuffed animal she'd given Odd on the night she was taken. Even knew her parents would be heartbroken when they woke and found her missing. But she had to go. She had to know. Vous avez des bras d'araignée.
ça... Ah, on peut dasher, d'accord. Par contre, ça me perturbe de ne pas pouvoir sauter. De courir. Ah, ça va être bien si on peut courir. Ah, ne pas pouvoir sauter, c'est étrange quand même. That glowing figure seemed to keep its distance from even. When she got closer, it moved further away. It was leading her somewhere. Regarde, bonjour. Easy there, even. Du tilleul. C'est monsieur du et madame du tilleul. Ce n'est pas très respectueux des grands-parents, madame du tilleul. Je suis sur la piste d'un fantôme, je suis sur la piste de ma soeur, je suis sur la piste. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est important. Oh, sweet summer mudcake. I miss her too, child. But she's gone now. Ah, that spark in your eye tells me you're not fooling around. I remember being your age once, I do. Mm. And I know how important imagination can seem. All right, I'll get out of your way. But don't tell your parents you saw me, deal? Ah bah ça, pour une péripétie... You're quite welcome, young Miss Even. And stay away from the outskirts. Je comprends pas ces choix. Est-ce que ça va vraiment influer sur quelque chose ou pas? Est-ce que... Parce que, puis bon, c'est vraiment des non-choix. T'as le choix entre être poli et être un sac à merde. Donc forcément. Enfin, je sais pas. Mais enfin... Ah, là, voilà. Wait up, please. Wait up. This was Onecroft, the world in which Even and her small family lived. Like all Wonners, they hauled junk for the cargo ships that came and went in the night. All this labor was done for reasons that were never clearly understood. The Queen willed it, and no one would dare oppose her, and that was enough for everyone. Everyone, that is. Except Even. Les unards, ça fait un petit peu les nullards, quoi. Come on, Burn, just hit it. It's right there. He's trying, Lucky. Oh, shucks. Je regarde un petit peu s'il y a des trucs. I guess you're right, Lucky. What are you doing here anyway? Yeah, Even. Are your parents letting you out after dark now? Honestly, Even, I gotta say, I'm impressed. Never thought you had it in you to break a precious rule. Don't be mean, Lucky. I'm not mean. That was a compliment. I think you're cool, Even. Even if you should listen to your parents more. My parents say listening to them is the coolest thing of all. You guys are so touchy. Il y a des gros drops. Ouah, ça doit être bizarre, non? Vous avez pas de problème à regarder le stream? Parce que je vois qu'il y a des gros drops sur OBS là. Ouah, c'est dingue. Ça fait chier. Je sais pas si ça dure depuis le début. Là, je viens juste de le voir. Ah, ça s'est restabilisé. Ok, cool. Bon. Je pensais que ça venait de... Non, non. Ah, putain, ça recommence. Alors, je suis désolé. C'est indépendant de ma volonté. Hein. C'est, je sais pas ce qui se passe. Doit être Twitch qui merdouille. Avec ces manières, vous êtes vraiment susceptible. I couldn't sleep. My 12th birthday is coming up. Mine too. Gonna get to roll the dice when it comes. I'm gonna be a sixer. I know it. I'll be saying bye to all you bloobs and hi to the riches of Sixtopia. I'm not a bloob. I'm a star. My mom says so. I'm not a bloob either. What's a bloob? You're getting a load of these bloobs even. Listen,
even. It takes two to be a jerk. One to be the jerk, and the other to be an even bigger jerk by pointing it out. Not the sort of thing I've ever had to worry about. Really? How come? Because my name is Lucky, and... He meant how come even thinks it didn't work out, Lucky? You're right. Like a sixer would ever care about a oneer. Please. It could happen. You don't know. I think it sounds mysterious. I love mysteries. Have fun with your cool mystery, even. See you later. On récupère des boulons comme dans Ratchet. Putain, le gros œil là, la vache, j'avais pas vu. Pousser par un air étrange, d'accord, c'est le. D'accord. Trouver le fantôme. Il y a des pages du livre à récupérer, des cartes. Quête principale, quête secondaire. Et rue de la théière. D'accord. Ok. C'est tellement instable la connexion, ça monte à plus de 7000, ça redescend à 1000. Quelle horreur. Bon, vous avez vu un fantôme? You seem like you're looking for something, kid. Un fantôme, je crois. Un fantôme, c'est peut-être ma sœur. Un fantôme, je crois qu'il a fait quelque chose à ma sœur. Un fantôme, je crois qu'il connaît ma sœur. You, your odd sister, right? Did the big roll a year ago, if I recall. She's in the Queen's care now, kiddo. There's nothing any of us can do. Ça, c'est ce que vous pensez. That it is. But I didn't get this far by chasing after ghosts, and I recommend you do the same, even. Wow. Toi, peut-être que t'aurais été plus loin si tu courais près des fantômes. Regarde les chasseurs de fantômes. Ils sont arrivés loin dans la vie. Mais du coup, je suis où? J'ai du mal de déterminer où je suis sur la carte, c'est un peu chiant. Ah non. Est-ce qu'il y a les flèches rouges? Je croyais que c'était moi, mais en fait non. D'accord. Combien de là? Ah bah il est là. Il m'a donné. You saw it, didn't you? Oui, j'ai vu. It was again. Mais je veux aller là d'abord. Halt! None shall enter the docks tonight by order of Her Majesty. Random rules. Mais je veux des boulons, moi. Et j'ai pété un boulon. En fait, le jeu, c'est ce qui se passe dans Arcane quand Powder charge. Ah, mais c'est vrai que c'est la première réaction que j'ai eue. Je me suis dit, putain, ça ressemble un peu, mais très vite fait, quoi. Très très vite fait. Des anneaux, c'est... enfin des boulons.
D'accord que les jeux de mots sont horribles. Ah, ouais, j'ai l'impression que la trad elle est pas. Elle est pas fifole quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Vous avez bien la même impression que moi. La trad est pas géniale. Point d'exclamation. Et donc du coup maintenant je suis... C'est toujours... Ah je pète. Suivez le fantôme, mais oui c'est ce que je fais depuis le début, mais... Ça se pète ou pas? Non. Elle a bien tiré à côté putain. Whatever that spirit wanted, it seemed to involve bringing even here. But why? Je sais pas quoi ça va servir les boulons, mais je suppose à quelque chose. Bonjour. Oh, lui, il va venir en dessous. Random rules, even random rules. Well, 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 well. Look at you. Mais quoi? So far from home and all alone. You're lucky the queen is looking out for you. Ça change rien, tu me spoil Spider-Man, je te défonce. Good news, haven't you? Putain de loup. Dites-moi tout. The queen is a force of nature, like gravity or death. You can't argue with gravity. You don't debate death. You just go along with her because you know her rule is law. She is eternal. Désolé, je suis pas essentialiste, monsieur. Mais c'est une bonne nouvelle. She's never wrong. She makes the rules, random rules, and they're always right. It's incredible to live at the same time as such a wondrous being. I hope one day she notices me. Upriding a shining spider stallion. Ah, c'est une araignée. She says my love for her. Ah, sa monture arachnéenne, je peux. My worship. Vous aimez vraiment la reine? More than life. I just want to be her. To be with her, I mean. To feel her hand on my head and know she judged me and found me good. It would completely destroy me. I'd love every minute of it. One town was unique. Some who lived here were kind, treating the queen with respect, and others seemed to have been broken by her in one way or another. But it was home, the only home even had ever known. Sûrement pour dire que l'assassin c'était le jardinier. Là j'ai pas encore eu le bouquin de chronologique. Et moi je suis pas assez connu donc on m'envoie pas les bouquins, moi va tous les trucs comme ça, les trucs d'influenceurs, moi j'ai pas le droit de les avoir gratuitement, mais faut que je les paye quoi, donc bon. Ah, il y avait un troll chez Johanna. Re-coach. C'était Big city life. C'est chiant. Oh, it must be so glamorous to be so cosmopolitan. So two-sided. You ever wonder what life's like in the other zones? Non, au revoir. Comment Sixtopie? Oh, it must be so wonderful there. Be recognized as the best of us. C'est des noms pour que Jeannot remplisse sa bibliothèque. Alors j'ai plus trop de place dedans. Sûrement un gamin qui voulait backseat. D'accord. Ouais mais gentiment du coup.
comme Quintopolis. I hear everyone works so hard there. It's where the magical cards used to be made, you know. Comme un Quartébourg. Before the war, it was a sight to behold. Now though, after the Queen ruined it trying to find those awful rebels. It's so dreadful there. J'ai des dons pour racheter une bibliothèque pour la remplir. Ouais, mais on a plus de place dans la barre de... alors je check pour les drops, mais ah non, ouais, ça continue. Je suis vraiment désolé, hein. C'est Twitch. Je suis désolé, ça doit être chiant. C'est pas de ma faute. Aujourd'hui, c'est un comme au Troyaume. Ah, le Troyaume, j'aime bien le Troyaume. The glory of battle, yours for the taking. I could be a hero. Comme à Doubleville. Big city life. Oh, it must be so glamorous to be so cosmopolitan. So two-sided. Pourquoi? I wasn't born here, you know. I was born in Forberg. Only I turned 12 and the Queen came and made me rule. Brought myself a one. She told me I was born in the wrong town, and now I'm here. And I'll never get back there again. Ah, on est désolé ou c'est pas juste? Bah, c'est pas de notre faute, donc on n'a pas à être désolé. Quoi dire, c'est pas juste? It doesn't have to be equal to be fair. It's what my mom always used to say. Before she... Before I... Well... It's, ancient history now. The Queen works in mysterious ways, and it's up to us to follow her rules. Random rules. I still remember how I felt rolling that dice, knowing what was about to happen. And when it landed on one, gosh. I don't think it's the sort of thing I'll ever forget. Avez-vous vu des fantômes? Parce que ça me casse les couilles un peu. I'm haunted enough already. I don't need more of them. See you around, kid. Ah, tout ça pour ça. D'accord. Ah, ça drop pas chez toi, coach? C'est marrant, pourtant j'ai OBS qui fait du yo-yo. Avec les bits. Right. Bon, on se bat pas beaucoup, hein, jusqu'ici. Il est par où? Il est par là-bas. On va aller par là. Ça, on va avoir plein de boulons. On va pouvoir déboulonner. Hey! Je suis coincé. Ok. J'aime, c'est la pêche géante. Oui, un petit peu aussi, c'est vrai. Mais je voyais plus. Ouais, enfin, je voyais d'un mix entre le. Ouais, Burton, la cité des enfants perdus et James et la pêche géante. C'est un peu ça. C'est un peu ça. James et la pêche géante, c'est par le mec qui a fait. L'étrange de Monsieur Jack. C'est un film en stop motion. Comment il s'appelle déjà A chaque fois j'ai un trou pour son nom. C'est un truc Mélic, je sais pas. Ah, ça m'énerve. J'ai de plus en plus de trous de mémoire, c'est chiant. Fate was changing, that her future was suddenly filled with unknowns, and she also had the distinct feeling that she wouldn't be back home for quite some time.
Mais c'est des pieds? Et des mains? Ah putain, oui. Ah. Ça, c'est plus des mains, je pense. Oh, les crapales. Ah putain, Artax, non. C'est un mix entre Dagobah et... Ah ouais, non, mais James, c'est la pêche géante, c'est vieux. Hein. C'est Henri Selick, je crois, c'est ça. Hein. Ça me revient d'un coup. Oui. C'est un gros dé, ça. Pour l'instant, c'est un peu couloir chiant quand même. Hein. Je croyais que c'était un peu plus pour orienter action. On va lancer le stream. Oh, je sais pas. Bon, je vais essayer. Le truc, c'est que c'est chiant, c'est que ça va couper pour les VOD, ça va être chiant. Qu'est-ce que c'est? Mystérieuse carte à jouer. Les cartes à jouer sont magnifiquement peintes et sous un certain angle, elles irradient d'une faible lueur bleue. D'étonnant petit point sur patte dans un bocal en verre. D'accord. On se fait son stuff, c'est ça? Even could barely make out what the ghostly figure was. It was beautiful, inscrutable, and there seemed to be a sorrow to her. Mon film préféré de tous les temps, c'est Le Roi l'Oiseau. Non, il est pas récent, effectivement. Je suis si vieux. Mais je ne veux pas le port. There was no time to think. Even was either going home to her parents without answers. And with even more questions than before, she was getting on that boat. She felt a pull, beckoning towards something new. Moi, personnellement, j'ai 38 ans, mais James et la pêche géante, je l'ai vu. Je l'ai vu quand j'étais. Ouf, au lycée. Parce que j'adorais. Those are some nice cards you have there, kiddo. Putain, t'es bizarre, toi. You find them yourself. Mais oui, mais pour tout vous dire, je ne sais pas trop à quoi elles servent. Well, heck, let me take a look. Maybe these old papers will notice something you haven't. D'accord, si tu me les piques pas. Well, look at these. Oh, these used to be everywhere, you know that? Folks had tried them on the regular. Used to have quite a collection myself. I got them straight from the factories in 5 Tropolis where they made them, you know. Mint in box. Of course, that was before the war. A lot changed that night. We're still dealing with the consequences. Quintopolis? A city of card makers it was. Then the Queen came and turned it into a city of nightmares. Now you won't tell anyone I told you this, will you? Some folks got in their head that the
opinions like that are treasonous. But if that's what they call society, I don't want no part of it. Oh, ah merde, j'ai pas pu lui demander pour les conséquences. Bon, d'accord. Bon bah la demande générale, je vais reboot le stream pour voir si ça va mieux. Restez là, restez là. Je reviens tout de suite. On est un de fait. Ouais. Donc merde. Oui ma. Ah, au secours. J'ai pu. Putain, j'ai pas ma souris. Pourquoi je peux pas voir ma souris? Alors une seconde. Voilà, je vois ma souris maintenant. Donc restez là. Je reviens tout de suite. Je vais reboot OBS et puis le stream et on verra bien. À tout de suite.